Le truc qui avait vraiment bien avec les années 80, c'est qu'elles ont eu une fin. Oui, il faut le dire quand même, parce que pour le shoot, ça a été vachement intéressant. On a eu plein de shmups qui ont vraiment posé les marques du gameplay typique du shmup. Mais du coup, arrivons sur la fin de la décennie, et puis les micro-ordinateurs commençant à envahir les maisons, avec des bouts de console qui commençaient à sentir un peu le périmé, parce que les gens se disaient, oui, les mômes, ils se lobotomisent sur les consoles, tandis qu'avec un ordinateur, ils vont devenir tous des génies, des matheux. Bah, regardez ce que ça donne. Et donc, sur la fin des années 80, on s'est retrouvé avec des jeux qui étaient conçus le cul entre deux chaises, c'est-à-dire il fallait qu'il y ait une version arcade pour que ça claque, et puis utiliser toutes les puissantes fonctions d'une borne. Et il fallait également qu'on puisse avoir la déclinaison micro ou console, histoire de palper un max de pognon. Oui, on en revient toujours au même. Et c'est dans ces circonstances-là qu'est apparu Arba Lester, un vieux titre de 1989 qui, je vous le spoil tout de suite, porte la gueule de son flyer. Comment ça spoil méchant? Bah, vous allez voir l'engin, on va pas être déçu. Télétransportation 1989, les amis. Ouais, tu fais super bien le télétransporteur. Ouais, je sais, des années d'entraînement. La petite capture, ça irait mieux quand même. Oh oui. Donc ça démarre pas si mal, regardez. On a réussi à décoller, c'est déjà pas mal. Dans les jeux, il fallait décoller, tu pouvais pas décoller. C'est maintenant qu'on va aborder le fond du problème. Niveau look, c'est un peu service minimum quand même. Genre, on se demande si les sprites n'ont pas été repompés et recolorisés un petit peu, mais bon, on reconnaît bien une parenté avec un certain 1941. Et je pense qu'ils ont dû pomper des trucs chez Raiden, ça me paraît un petit peu obligé. Alors, est-ce que le jeu aurait le bon goût d'être jouable? La réponse tout de suite. Oui, on va aller là où tu nous dis. Je suis pas contrariant aujourd'hui. Alors, beaucoup, beaucoup de couleurs, regardez-moi ça, à 32 au moins. Quoique, de la vivacité, alors non, il n'y en a pas. Alors pour l'instant, c'est la balade, hein. C'est genre salut, je suis dans le ciel, je suis le seul qui a des armes et je vous emmerde. Oui, il n'y en a pas un qui a tiré, c'est la fête. Ceci dit, quand ça va commencer à canarder, j'ai intérêt à prévoir d'esquiver quand la boulette part en haut de l'écran parce qu'il va y avoir un problème. Hein. Et là, ça va, il y a trois boulettes qui se courent après. Je suis toujours en mode balade. Salut, vous êtes des ennemis? Ouais, bah, désolé, désolé. Bah, c'est comme ça, les gars. Alors, j'ai pas du tout le retour son. Il y a un gros défaut déjà, c'est pour flinguer les trucs au sol. Votre bombe, elle part, faut être sûr. Sur l'objet que vous voulez démonter. Donc c'est un peu zarbi. Et là j'ai une impression de déjà vu. Oui mais je décolle de la même base. Je vais tout le temps manger au même restaurant. Il n'y a que là-bas qui prennent mes tickets resto. Et hop, on y retourne. Mais là ça va être mode hardcore, vous allez voir. Donc trêve de plaisanterie. On a typiquement le jeu que je vous décrivais en début de stream, c'est-à-dire un truc, le cul entre deux chaises. Qu'aimerait bien faire un jeu d'arcade où on met des pièces, mais qu'aimerait bien aussi finir sur des micros et sur des... Ah, j'avais trop envie d'essayer mon super tir. Et c'est un super collaborateur des airs, c'est extraordinaire. Et donc le jeu, bah, à vouloir jouer sur les deux tableaux, il a fait quoi? Il a fait que du médiocre. C'est absolument impossible de flinguer ces petits bateaux au sol, quoi. Je vais essayer en assistant. Oh la vache, faut se mettre dessus quoi. Si le gars il a l'idée de tirer à ce moment-là,
Il peut y avoir quelque chose de très gênant. À moi. Oui, il faut beaucoup de volonté pour arriver à se mettre sous un tir, mais j'y arrive. Qu'est-ce que je disais? Il faut... Oh, le boss. Oh, oh, regardez, si on bouge comme ça, ça fait slalomer les boulettes. Je peux m'en servir pour esquiver. Ou me mettre dessous au choix. Oui, je remonte un couloir de boulettes. C'est un véritable cave. On va le faire durer, hein, vu que je paye autant. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'il faut que je flingue encore? Ah, il y a encore un moteur à gauche. Heureusement qu'il a pas trop l'idée de tirer vraiment sur les côtés, parce que... Bah voilà. Un aileron? Non. Qu'est-ce que je dois flinguer? Alors c'est le problème de ces jeux de l'époque qui n'étaient pas trop fournis en nombre de sprites pour définir un objet. Ah, faut flinguer les moteurs. Des fois on restait perplexe à se demander ce qu'il fallait buter. Ceci dit, aujourd'hui j'ai une grande chance dans ce stream. Et vous ne l'avez pas, vous. Et alors, fais-moi voir ce moteur, toi. C'est vous devez avoir le son comme il faut, moi je ne l'ai pas. Et du coup, je ne sais pas du tout si j'échappe ou si au contraire je passe à côté de quelque chose de merveilleux. Je pencherai pour la première option vu la qualité du soft. Ceci dit, je vais vite le regarder une fois le stream enregistré pour écouter la musique et me marrer un bon coup. De loin, là, ça a pas l'air trop... Bon, ça a l'air bien. En plus 89, hein, on n'avait pas 36 000 voix audio. Donc profitez les amis, profitez, je vous le dis. Alors c'est rigolo ce truc qui bouge jamais. Tu pars de là. Ouais, mais je voudrais savoir où on va. Non, mais tu pars de là. Ouais, mais on va où? C'est une mission top secrète. Et c'est où? Bah, j'ai pas le droit de te le dire. C'est top secret. Donc tu suis les numéros dans le manuel. Tu avances. Un air de déjà vu? Non, pas du tout les amis. Les sprites ont totalement changé, ce ne sont plus du tout les mêmes. Le bout portant les gars. Ça tu fais pas un bout portant, je continue parce que j'ai de l'adversité, mais... Là normalement c'était un rage kit. Ah oui, usons des termes appropriés. Hein. Donc pour 1989, mon pauvre petit soft. Tu es sorti bien tard, en usant de techniques déjà vues et revues et mieux foutues, surtout chez tes voisins. Et ça, c'est moche puisque ça va pas jouer en ta faveur. Bah, tu es dans les top shmup? Certainement pas. Bah, tu es dans la malle au grenier. Bah, tu la vois la malle? C'est là où tu iras pas. Ah, bah oui. Moi, je vais te mettre dans le jardin. Hein. Là où on met les animaux crevés. J'avoue que c'est pénible de flinguer les trucs au sol. On va essayer d'aller jusqu'au boss. Et puis je vais me faire un plaisir d'arrêter. Parce que vous entendez le ton de ma voix qui est complètement euphorique. Et dans cette joie, j'aurais bien peur de faire que des conneries, donc je suis peut-être allé faire une vaisselle à la place. Oui, je sais, c'est violent, faire une vaisselle à la place de jouer à un shmup. Faut en vouloir. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Non, dégage. Dégage, passe devant. On va voir ton... Hop, 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 ça continue. Hein? Le passage du vice ultime. Non, non, tu refais pas ça. Monsieur, monsieur, pas refaire. Pas bon, pas moi prendre. Non, non, aïe, aïe. Toi, raciste. Putain, mais c'est quoi ça? On va continuer parce que je veux voir le boss. Après ça, parce qu'il y a une improbabilité. Bon, tu vas aller à la malle au grenier, mais on va te mettre sous la malle, d'accord? On te met pas dedans parce que ce serait moche que tu contamines les autres produits qui sont à peu près jouables. Hop, hop, j'ai tenté un truc un peu bizarre. Comment ça se flingue, ça?
C'est inflingable. Allô, Maurice? Comment je déflingue les gros là? Ouais, je te reçois pas bien en plus. Quoi? Avec des ch. Mais j'ai pas des ch. Ah non, bah moi il me reste juste des ch. Ah bah, comment on fait? Ah ouais, des ch. Bah j'en ai pas. Je vais slalomer autour, hein. Peut-être qu'à force, ils vont s'emmerder, ils vont se barrer. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Bah merci Maurice pour tes conseils. Je te rappelle. Ah, les pilotes, cette fraternité entre eux pour se donner des coups de main. C'était donc le boss. Probablement un des boss les plus nazes du chemin vertical. Mon dieu, attention, je vais décoller d'un autre endroit. Et ils savent teaser, les gars. Comment ça? Il y a un ton moqueur dans ma voix? Non, pas du tout. C'est du sarcastibol. Là, 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 là. Non, mais je suis en train de songer à ces gommapas que je vais enfiler tout doucement. Je me demande si je vais pas les talquer un peu avant. Et tous ces plats entassés. Pour certains depuis presque la semaine quand même, on va dire. Et oui, oui, ça impressionne toujours ça. Faut bien que je meuble ce stream parce que là c'est... on va pas continuer. Je suis désolé. Alors Ballester, on aura essayé de te sauver. Mais pour un sauve de 1989, franchement, tu fais un peu peine au monde des shmups. Respect the shmup world. C'est sur cette grosse déception que je vous abandonne, avec mon air tout triste et tout penaud, et que je m'en vais sur la pointe des pieds, non sans vous avoir préalablement laissé le bouton d'abonnement et les deux playlists qui vont bien avec. A bientôt, ciao.